Allez, salut à tous et salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un let's play que je devais faire en off et qu'on fait en live. Crash Bandicoot, premier du nom. On est parti. Alors, nouvelle partie. On recommence. Et on est parti. Va falloir se remettre le gameplay dans les pattes. Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général. Et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex! Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Préparez la femelle, Bandicoot. On l'écoute. Ok. Bon, je suis dans le noir, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. À la base, on devait même pas me voir parce que je devais faire ce let's play en off-stream. Donc voilà. Allez, on est parti. Ah, là, on me voit un peu là. Bon, déjà, je fais de la merde parce que sur ces casseroles, il faut sauter. Bon, va falloir se réhabituer au gameplay, tout ça, tout ça. Alors. Du coup, j'avais déjà terminé le jeu une fois en live. Comme j'expliquais dans mon let's play off de Seiken, de Mystic Quest. Il y a des let's play que j'avais fait sur Twitch à l'époque que je reprends que je recommence en fait actuellement pendant ce confinement, j'en profite parce qu'en fait c'était des let's play que j'avais fait en live sur Twitch et que j'avais pas que je n'avais pas enregistré, que je n'avais pas gardé puisqu'à l'époque je gardais ma webcam uniquement sur Twitch et pas sur YouTube. Du coup, quand je voulais mettre des rediffs, et ben, j'étais obligé de me taper, j'étais obligé de me taper plein de montages, pour cacher la cam du live, etc. Du coup, ça me saoulait, et du coup, il y a plein de let's play comme ça, Crash, Mystic Quest, etc. que j'ai pas gardé. Heureusement, il y en a que j'ai gardé comme Shadow of the Colossus et Last of Us. Ça va m'éviter de me refaire Last of Us quand le 2 va sortir en live. Mais ouais, il y a plusieurs jeux comme ça. Ben, j'avais la liste. Je peux vite fait en parler. Je sais que j'en parle sur. Ben, je vais en parler sur tous les let's play que je refais. Comme ça, au moins, les choses seront claires. J'en ai parlé sur Mystic Quest. Là, on va en reparler. Du coup, c'est en dessous de mon stream, je terminais. Donc en live, on a fait Tetris, on a fait la fin, le décollage de la fusée. En mode hard, Life is Strange, mais je pense pas le refaire. On a fait Until Dawn, non plus, je vois pas trop l'intérêt de le refaire. Ultimate Naruto Ultimate Ninja Storm 4, pareil, je vois pas trop l'intérêt de le refaire, à moins de tous les refaire à l'occasion. MGS3 et Peace Walker, alors ceux-là, par contre, je compte me les refaire. Konami pouvait sortir un remaster de MGS1 à la bonne occasion de tout se refaire. Faut que j'ai. Ben j'ai jamais fait le 4 et le 5, j'ai pas réussi à le terminer, donc pourquoi pas refaire les MGS à l'occasion. RE7 que j'avais fait en live, mais je vois pas le refaire, les jeux d'horreur. C'est pas mon truc. Last of Us plus son DLC, on a la rediff. Beyond Two Souls, ça me fait chier de pas l'avoir gardé. Surtout que je l'avais gardé très longtemps sur mon disque dur, mais. J'avais la flemme de le monter. Je l'avais supprimé.
Je sais qu'on va se faire Detroit, Become Human, bref, Detroit, Détroit, on va se le faire. Beyond, ouais, je pense pas, en plus j'ai pas spécialement aimé le jeu, donc... On a Shadow of the Colossus, que j'ai gardé, Crash Bandicoot qu'on est en train de se faire. Tropical Freeze, Donkey Kong, je vais pas le remettre, j'ai fait le jeu deux fois en plus, donc bon... Un peu la flemme. New Super Mario U Deluxe. On a tout fait d'une traite, donc on a l'épopée sur la chaîne. Mystic Quest. On l'a refait l'épopée. Le let's play, pardon, est sur la chaîne. Crash Team Racing, ça me fait chier. On a terminé à 100% stream. Dommage que j'ai pas les rediffs. Mais comme c'est un jeu que j'adore, je ferai sûrement des vidéos dessus à l'occasion. Pas le mode story, mais des vidéos en ligne. Overcooked, pas trop d'intérêt. La campagne de Call of, il y a une vidéo découverte, c'est pas grave pour la campagne. Et les Pokémon. La fameuse aventure Pokémon. On n'a toujours pas terminé. La 4G arrive bientôt. Faut que je m'y mette. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets, voilà. Il y en a plein qui me demandent quand est-ce que Pokémon revient et tout. Pour l'instant, il y a d'autres projets sur la chaîne. Mais je n'abandonne pas. C'est juste que pour l'instant... dans une autre optique là. Donc voilà, donc là actuellement donc on fait Crash 1, on va faire Crash 2, Crash 3. Il y a des rumeurs de Crash World au lancement de la PS5 en exclu, donc ça c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup, qui pourrait me faire acheter la Play 5 en Day One. Donc on le fera. Pas quand j'aurai la Play 5, mais... On le fera. Et puis il y a le remaster de Trials of Mana. Donc Seiken 3. Donc Secret of Mana 2. Ah, le jeu qui a un milliard de noms, mais... Mais c'est la vie. Ah, on va faire un niveau bonus. On va essayer d'obtenir toutes les caisses sur les niveaux bonus. Ça va être notre objectif durant ce let's play. Du coup, ouais, Trails of Mana. Du coup, bah là, on va sûrement switcher entre des let's play Crash et des let's play Seiken. Donc, Secret of Mana. Et je pense qu'on va pas faire Trails of Mana version d'origine. Je pense qu'on va directement faire le remake. Un peu comme Pokémon, voilà, on va choisir nos versions... remake, par exemple Secret of Mana, on va pas faire le remake. Qu'il est un peu dégueulasse, pas se le cacher. Je l'avais fait en découverte sur Twitch, j'ai pas regardé les vidéos, mais très compliqué. Donc on va faire la version d'origine. Et Trials of Mana, on va prendre le remake qui est sorti ben moi hier au moment où je tourne cette vidéo. J'ai essayé d'aller me l'acheter à Auchan, mais je sais pas. J'ai quand même mis une grosse disquette. Donc il n'y en avait plus, hein, comme si Trials of Mana ça intéressait qui que ce soit, à part les trentenaires, tu vois, donc... Bref, il m'a mis une grosse disquette, donc il n'y était pas, donc j'irai l'acheter plus tard, de toute façon on a Secret of Mana 2 à se faire. Et comme je disais, on choisit un peu nos versions qu'on fait, tout comme sur Pokémon, hein, on a fait la 1G Remake, on a fait la 2G de l'époque, donc on aurait pu faire la version DS, et on a fait la 3G Remake. On choisit nos versions. Ah, je kiffe les niveaux 2 d'époque. Donc voilà, on va essayer de faire des parties pas trop longues. Une heure. Moins d'une heure. Ah, moins d'une heure, ça serait cool. Sinon après ça va être un peu trop indigeste. Donc on va essayer de. Plutôt que de faire une vidéo par monde ou quoi. On va faire des vidéos d'une heure. Voilà. Bah sinon, je pense que j'ai un peu tout dit. Hein. Cool. Ah putain. Ah là, la gestion de l'espace, c'est compliqué. La gestion de l'espace... Ça l'a pas tué. On va attendre.
contre, eux sont tellement chiants. Là, on stack les vies. Le plus dur est devant nous, notamment le niveau du pont. Qui m'a traumatisé. Et... oh. On va attendre. Voilà, je vais safe. Ok, niveau bonus. On essaie de choper toutes les caisses. Let's go. Faut pas hésiter à sauter sur les caisses plutôt que de se laisser tomber. Parce que si on se laisse tomber, il va faire un petit saut comme ça. Alors que si on saute, le saut va être bien plus haut et bien plus précis à la retombée. On aura plus de temps pour anticiper. Ça passe. Et ça passe. Pour l'instant, ça va. On stack les vies, on est bien. Bon, on rate des boîtes, crash, on prend plein la gueule, mais oh, c'est cool. Pour l'instant, c'est cool. Allez, le niveau de du caillou, du rocher. La claque, boum boum, Bayonetta. On stack les vies, comme j'ai dit, on va en avoir besoin, croyez-moi. Oula. Ok. Il y a moyen de choper le diamant à la fin. Ce serait cool. Rattrape là ce con. Heureusement il est un peu ralenti. Let's go, on a eu le diamant. Le diamant qui veut dire qu'on a pris toutes les caisses. Donc, je pense que ça doit compter pour le 100%. Quand on voit le design de Crash, faut s'y faire hein, quand même. J'espère que sur le prochain inédit. On aura le retour de l'ancien design. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait continuer après ce remaster. On pourrait. Bon, après, je m'engage encore dans les trucs que je vais peut-être pas tenir. Mais Pokémon, je vais le tenir. Et Seiken aussi. On pourrait se faire les Crash PS2. Par contre, je les ai jamais fait. Il y en a beaucoup, c'est des navets. Je pensais me faire le remaster de Spyro. Spyro, en fait, je l'ai jamais eu quand j'étais petit, mais j'ai séché la démo. Et bah c'est un peu comme Crash. J'ai saigné la démo et puis un de mes cousins qui l'avait, me l'avait prêté, donc j'avais pu le faire. Mais Spyro, j'ai fait uniquement la démo. Et c'était un jeu dont je rêvais de l'avoir, Spyro, quand j'étais petit. Après, quand je dis quand j'étais petit, les gars, faut bien comprendre une chose. Hein. J'étais déjà grand. Genre quand je dis quand j'étais petit, j'étais déjà en 6ème quoi, j'avais déjà 12 ans. Mais c'était 98 quoi, c'était l'époque, les proc. Voilà. Déjà grand, mais et plus petit. Tu m'as compris. Genre, mort de quoi là? J'ai même pas vu. Et du coup, ouais, du coup on va pas le faire. On va pas le faire, Spyro, parce que j'ai vu un let's play dessus. J'ai regardé un let's play en entier. Et bordel que ça a l'air chiant. Enfin, en fait c'est un jeu qui était cool à faire à l'époque. Mais je trouve le concept de juste ramasser des gemmes
et qu'il n'y ait pas de skill comme dans Crash, bah ça a plus mal vieilli en fait. Un Crash où lui il y a quand même un peu de la skill quoi dans l'affaire. Donc ouais. Pyro, je l'avais acheté sur. J'ai acheté sur quoi d'ailleurs? Sur PS4 je crois. Et je l'ai pas fait. Donc ouais, je pense pas qu'on le fera en fait. Après les crashs, ça pourrait être un bon délire de se les faire. Ah papou, c'est le boss, le premier boss. Ça pourrait être un bon délire de se faire tous les crashs, mais il y a tellement de déchets dans la licence. Que... Je sais pas. C'est à voir. Allez. Pas très compliqué. Aïe, je l'ai raté. Genre, je peux plus me faire toucher là ? Putain, faut que je touche encore deux fois sans me faire toucher ? Bon, on est mort, les gars. Fini. C'est une bien belle aventure. Oh, il a un... Comment on appelle ça ? Je sais plus. Je crois que c'est parce que je vais sauter sur la tête et il faut le sauter sur le dos. C'est vrai que je pourrais faire comme ça, c'est quand même plus simple. Me mettre sur le côté. Oh, c'est même plus simple. On a perdu une vie connement. Comme toujours. Ok, c'est fait. Ah, j'ai pas été récupérer Coco. Je peux aller récupérer Coco Bandicoot. On l'a pas fait. Rolling Stones. Quand même la bonne ambiance, Crash. Hein. On va pas se mentir. Alors oui, le gameplay, il est dans les chaussettes. Oui, les environnements... C'est du recyclage. Mais je sais pas, c'est la bonne ambiance. Franchement. Moi j'aime. Moi j'aime bien. Ouais, Boulebuga, il sert à rien quand tu tombes dans le trou. Il s'appelle Aku Aku. Et l'autre c'est Uka Uka. Uka Uka. Le méchant. Je crois que c'est ça. Et je dis peut-être des conneries, mais faut pas charger, mais bon. Donc c'est ça. Eh. Y'a de la skills ou pas? Si je dis ça, je me fais karma. Hein. Oh là là, il y a de la skills ici. Skills est présente. D'accord. Plus du game apparemment. Bon à savoir.
Merde. Oh fuck. Elle est dans le décor bien sûr. Oulubuga. Putain. Allez, niveau bonus. Niveau bonus, niveau bonus. Y aller comme ça hein. Bah ouais, logique. Et voilà, il y a pas de vie à la fin, pas de vie au bout, ça c'est un peu vache. Ah pardon, vraiment. Il manque une tête. Il manque une tête de connard. Pouah, cette skill de la mort. Et il nous manque des boîtes. Il nous manque des boîtes. Chose qu'on n'a pas saisie. Oh là là là. Ouais. En tout cas. Oh. J'avais oublié celui-ci. Bon, on va essayer de récupérer toutes les caisses. C'est pas garanti. Mais on peut le try. En fait, on n'est pas obligé de passer sur les caisses. On peut glitcher. Ça prend juste un bout. Ah, le con. Ok, on a eu un checkpoint. J'avais même pas calé. Il va pas me prendre toutes les vies pour le 100% ce connard. Bon, on teste encore une fois. Si on fail, bah... Sachant que quand je l'avais fait à l'époque, j'avais réussi. C'est sûr. C'est faux. Voilà. Je disais, il faut pas trop... Pas trop tenter d'aller sur la caisse, forcément. De ça. Let's go, on a le diamant. On aura perdu quoi, 2 vies dans l'affaire comme ça. Pour un diamant, sachant qu'on va même pas faire le 100%, mais bon. Là, c'était juste ma fierté, mon ego de me dire je l'ai fait la dernière fois. Quand je l'avais fait en stream la première fois. Pourquoi là? Et on n'a pas récupéré Coco. Putain. Il faut récupérer Coco. Ah. C'est un bon délire ça. Pas bon délire ça. Vas-y saute wesh. Pardon, mais il y a un effet de perspective, la mort moi le nœud là. Oh là là, oh là 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 là. Ça va être très compliqué cette affaire. Hein.
Ok, une plateforme. On va essayer de pas y passer 10 ans. Avec la skill magnifique que je possède. Bon. Mais genre, il m'a eu. Oh, on a eu la vie. Point. Ok. Je le savais. Je le savais, j'ai voulu reculer après, mais je me suis dit. Nah. Quelle merde. Vraiment une merde. 24 vies. Pas mal 24 vies, non? Je sais pas si. Qu'est-ce que ça représente à ce niveau du jeu en fait. Non, ça serait un bon coin à farm. J'imagine, on donne 2 vies. Je dis, vas-y, je peux en perdre une. Du coup, j'en récupère une à chaque fois. Sûr. Farmer 99 vies. Ah, c'est tout? Bonus le plus court de l'histoire. Des bonus. Bah enfin bon. Je crois pas hein, après tout. Ouh, j'ai cru que j'avais fait l'erreur. Aïe aïe aïe, ça je me rappelle de ça. Mais à chaque fois. Oh, ça fait 3 fois les tortues, elles me tuent. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Par contre, je me rappelle de ce passage. Il y avait un passage tendu avec le feu. Tortue merde. Non. Oh là 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 là. Oh, c'est là. Là il y a 3 feux. En fait il faut y aller. Oh. Ah non, c'est pas là. C'est plus loin. Ça doit être là, ça donne une vie. Ah, 2 vies. On vous connaît hein. On vous connaît monsieur de chez Activision là. Après encore. Et... C'est là. Je suis allé trop tard. En fait, il faut y aller vraiment quand la flamme elle est encore allumée. Ah, je suis un con, je suis un connard. Je suis trop pressé. Faut que je me calme. 25 vies. 25 vies. On va le faire. Pardon? Genre vraiment. Je suis un con moi aussi. Mais putain, à chaque fois ce con d'herbe là, cette conne d'herbe, elle me freine. Cette conne d'herbe. Putain! 23 vies! Con d'herbe là!
Voilà. Maintenant, les plantes, elles me font peur. On arrive à ce stade-là quand même. C'est ici, non? Ça doit être là. Bon. Voilà. Bon, ici, on va essayer de parvenir. Oh, 4 vies. Ils savent qu'on a perdu des vies juste avant. Ils le savent. Y'a quoi ici? C'est juste des pommes. Ah, y'a une vie. Une pute, je la prends pas. Les couilles. Une vie, c'est une vie, frère. Genre, je les ai tous déclenchés. Et je suis juste un crack en fait. Je vais fermer ma gueule, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. T'inquiète pas. Oh là là. S'en sort bien. Récupérez Coco. Récupérez Coco. Ils font quoi mes amis là? J'ai qu'un ami en ligne. Bah mes amis, bah c'est plus des amis. Hein. Alors, récupérer Coco. Ah, mais on a fini l'île? Ah, on a fini. Tu vois, on a fini l'île? Attends, comment on fait? Veux-tu qu'elle parte? Ah, voilà. Ok, on a récupéré Coco. Du coup, là, on a fini la première île. Ah ouais. Eh ben écoutez, on va se laisser ici pour la première partie de la rediff. Des bisous YouTube et à la prochaine. Bye bye.